Bienvenue, très cher vous, dans ce qui pourrait être aujourd'hui votre dernier voyage. On va se lancer dans l'univers teinté de noir et blanc de Bendy and the Dark Revival. Mais avant ça, petit mot de notre sponsor du jour. Rapport d'incident numéro 493.7, année 2320. Je suis le capitaine Carmen, je suis en charge de la sécurité sur Callisto. Callisto, c'est la lune prison d'où personne ne s'échappe jamais. Et aujourd'hui, c'est bien dommage. Ah, mais vous y fiez pas, ça se passe bien par ici. Ouais, on est réputé pour notre hospitalité. Nos pensionnaires disposent de chambres spacieuses et bien aménagées. Les voisins de cellules ? Ils sont tous absolument sains d'esprit. Besoin de se dépenser, nos pensionnaires ont accès à des coachs sportifs personnalisés disséminés dans toute la prison. Et vous avez intérêt à suivre. C'est une question de survie. La force létale a été autorisée. Vous croyez quoi? C'est une foutue prison ici. Les prisonniers ont commencé à changer. Comme des poussées d'urticaire. Une crise d'acné. L'adolescence bien vénère. Tout le monde meurt ici. Une sorte d'épidémie, je crois. Les infectés, ils attaquent tout le monde. Restez dans votre cellule. Si vous êtes un combattant, un survivant, alors vous pouvez nous prêter main forte. Il vous suffit de rejoindre le Callisto Protocol. The Callisto Protocol, par les créateurs de Dead Space. Le jeu est disponible sur PlayStation 4 et 5, PC et Xbox. Pensez-vous être à la hauteur de ce survival horror ? Et une chose est sûre, c'est que si vous avez été effrayé par les monstres de The Callisto Protocol, c'est que vous n'avez rien vu de ce qui nous attend. Bendy and the Dark Revival. Petit aperçu d'un monstre sous la pluie. Je suppose que c'est un monstre. Ça fait des bruits de monstre. J'ai prévu des couches pour cette vidéo. Béga ! Béganon ! We're always free to choose. To believe what we want to believe. But when you step back, when you really look at where you've been and the things you've done, your past will come to devour you. Ça fout dans l'ambiance! Le 18 juin 1973. C'est Audrey. Elle a travaillé sur l'animation. There you go, little guy. And only 800 more frames to go. No way I'm getting through tonight without some coffee. Probably some downstairs. Audrey, qui nous a dessiné nos petits personnages favoris, ceux qu'on connaît déjà très bien de l'épisode 1. On retrouve Alice. Oui, c'est moi. Bendy. Lalalala. Et Boris le loup. Salut Boris. C'était mon préféré. Ça c'est nous, on est l'employé du mois. C'est parce que ces petits doigts ont de l'or. On crée la vie. Presque littéralement. Localiser l'ascenseur. D'accord. Ah, mais c'est moult grand! On peut se taper une giga boisson? Coca-Cola, Seven, Spritz, Robot Beer? Non, non, on n'a pas le droit. Les employés doivent travailler. Il faut être concentré sur son travail. Et ça, ok. Bah alors, Joe, on n'a pas payé la facture d'électricité? C'est pas Joe Drew du tout, c'est Nathan Ark. Ouais, je sais pas, je suis pas très physionomiste. Je croyais que c'était le grand chef. Mais non. Ce monsieur a l'air totalement jovial, a l'air totalement innocent. Pourquoi il y a une alarme? En général, quand ça sonne rouge, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Un incendie, un cambriolage, une créature. Y a-t-il des dossiers quelque part pour me renseigner par ici? À l'aide! Les gens du dehors, je suis une personne!
personne du dedans. Et une créature veut me manger. Ah ! Et l'orage me fait peur. Il va falloir rentrer chez toi, Audrey. Really? Te mettre devant They Netflix. Locked me in. Good thing I brought my own key today. Eh bah super! Retrouvez votre clé de bureau. Oh là là, oh là là. C'est ce qui arrive quand on n'est pas en bon terme avec les collègues. Ok, pause déjeuner tout le monde! Venez par ici, approchez, je vais prendre vos menus et puis ensuite j'irai commander pour vous parce que je suis quelqu'un de sympa. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez? Moi perso, je pars sur un menu 3, c'est mon préféré. Si tu pouvais me rapporter un menu 2 avec des frites, s'il te plaît. N'oubliez pas qu'il y a le vegan aussi pour ceux qui préfèrent manger veggie. Mais moi, un menu 3, s'il te plaît, Christelle! Un menu 3, ok, c'est noté, on est d'accord que personne prend des frites ici. Non, moi je préférerais des frites en fait, s'il te plaît. Et toi, Olivier, qu'est-ce que tu veux? Ah bah t'as qu'à mettre un menu 1 avec un maximum de viande, triple steak haché dans le hamburger. Ok, menu 1, c'est bon pour Olivier. T'as mis mon menu sur. Ouais, bah c'est bon, j'ai pris pour tout le monde, allez. Allez, c'est bon les gars, on se rejoint à la cafette. D'accord, bah je vous rejoins plus tard. Du coup. Oh là là, ah, je suis désolée, oh merde, pardon. Non, sérieux, non mais ça arrive, t'inquiète, c'est pas. Non mais avec l'inflation, tout ça, hashtag coupure d'électricité, faut toujours couper la lumière. Voilà, économie d'énergie. Où est-ce que j'ai foutu ces satanées clés? Oh mais sinon viens, on s'en fout, on passe par-dessus, non? Puis... Coucou, j'étais cachée. Oh non, c'est le cauchemar qui recommence. S'il faut courir, je vais courir. S'il faut rester calme, je vais hurler. On va retourner travailler, hein? Oui, on va bosser juste toute la nuit. Non, pas besoin de me payer les heures sup finalement, on va rester là. C'est bon, j'ai compris le message. Travailler, voilà ma clé. Here's the key. Quelque chose me dit que Audrey ne va pas s'en sortir vivante. Quelque chose me dit que le Bendy là-bas en carton a disparu. Ok ma poule, respire à fond et on ouvre cette porte. Ah mais c'est rien ça! C'est rien ça, c'est le concierge! Il vient passer le balai! Monsieur Robert, c'est vous? Vous viendez nettoyer le sol, monsieur Robert? Hello? Is someone there? Monsieur Robert, c'est vous! Oh, les ascenseurs. Ouvre-toi, petit ascenseur. Ouf, personne dedans. Très bien. J'aime pas l'autosave, là. Ça me stresse, arrêtez. À chaque fois, ça veut dire qu'il va se passer un truc compliqué. À partir du moment où on va appuyer sur ce bouton, c'est la fin des haricots! Monsieur Robert, c'est vous? Wilson. Ah, c'est Wilson, c'est pareil. You scared me to death. I'm sorry, my dear. Didn't mean to frighten you. You're working late tonight. A pretty girl like you shouldn't be wandering around all by yourself. Okay. I step in. Of course not. Thank you, Audrey. You look like you could use a little company. Il est vraiment chelou, ce gars. C'est ma compagnie que vous voulez, Audrey? Et mon Covid, vous le voulez aussi, Audrey? So, it's been really nice this past week. Just beautiful. Gorgeous. Oh non, la panne d'ascenseur, le pire qui puisse arriver. Please tell me we're not trapped in here. Don't you worry, my dear. It's just a little short in the system. Happening a lot these past few days. No need to fret. C'est pas mon étage. Let's see what we can find. Come along now. Old Wilson will protect you. Non, je vais rester là, c'est gentil. Ça pue le kidnapping? Ouais. Appuie sur le bouton vite. Laisse-le là, vite. Je suis pas sûre qu'il ait l'air de savoir ce qu'il fait. Lui, ça se voit, c'est un vieux pervers, je l'ai vu dans ses yeux vides. Ses yeux noirs comme l'encre de Bendy. Vous trouvez? Non mais je vous vois là. Vous appuyez sur du vide.
Vous pressez des atomes d'oxygène, monsieur Wilson. Je suis pas dupe, monsieur Wilson. Il veut qu'on sorte de l'ascenseur. Je veux pas. Je vous préviens, je sors, ça va barder. Hein. Bah évidemment, c'était sûr. C'était sûr. Vous faites quoi? On appuie là. Ouais, c'est bien ce que je vois. Hein. Vous savez pas ce que vous faites, en fait. There we are. Just a few more switches to throw. Follow me. It will be perfectly safe. Nouvel objectif, suivre Wilson. Je suis un peu perplexe. Oh, chouïa dubitatif. Pas trop rassuré. On va longer les murs. Oh, c'est beau, hein. C'est un musée un peu. Oh, c'est bien décoré, hein. C'est joli mur. Oh, le banjo de Boris le loup. Je reconnais. Juste un crayon et un rêve. Oui, et un cauchemar aussi. Ah, mais c'est carrément Boris le loup. Je le reconnais. Je l'adore trop. Mais j'arrive, hein, monsieur Wilson. Je prends mon temps. Je protège mon fessier. Je protège mon séant. Vous me parlez pas? Vous êtes vexé, monsieur Wilson? C'est parce que je vous ai confondu avec Robert tout à l'heure? Non, c'est pas ça. Oh! Oh! Ah, c'est charmant! C'est ça, oui, c'est parfait pour un rendez-vous galant, vous avez raison. C'est la machine à encre que je vois derrière vous. Oh non. Looks like someone's been messing with the exhibits. There should be something on each of these pedestals. Ah oui, je vois, je vois. Sweet Audrey, do an old man a favor and go find them. Non, je dois rentrer chez moi, je dois nourrir mon chat. Rechercher for exhibits. On va vraiment faire ce qu'il nous demande. Là, par exemple, on a une clé à molette. Oui. Et il faudrait idéalement que je le pose sur le piédestal avec l'image de la clé à molette. Mais on pourrait pas plutôt l'assommer rapidement, le découper en morceaux et cacher son corps dans la machine. Mais c'est interdit. À la place, on va faire ce que le jeu nous demande. Ça y est, monsieur Wilson! Vous faites quoi? Je touche le truc, là aussi je le touche le bouton. Le bouton il est touché là, puis là aussi. Vous faites rien! D'accord! Bon, je présume qu'il va falloir que je trouve la note de musique, l'huile, la peluche de Bendy. Ouais! Voilà. Ça y est, j'ai fini de faire semblant de réparer des trucs. Only one thing left to do. On est d'accord que là, on essaie juste de réparer l'ascenseur. Hein. Pull that switch. It is done. Wilson? Oh, Audrey. The things you've set in motion. What's happening? The ink is calling us, my dear. Can't you hear it? What? Shh. Don't fret. We're going home. Stay back. Listen to me, Audrey. Oh, no. Pay attention to these last words. Because very soon, you will forget everything. Let go! Come find me. Oh, on est dans la nuit. Mais cool, non. This can't be real. And now we die. What are you doing? Je pète toujours dans les ascenseurs. Si Audrey l'avait fait.
Ah, Audrey, c'est une infection, ça me dégoûte. Au revoir, Audrey. Elle est sauvée. Mesdames et messieurs et non-binaires, nous sommes de retour dans le studio. Pourquoi je chante, je ne sais pas. Bon, je crois qu'on est en vie, mais on n'est pas tout à fait humain. On est à moitié encre, à moitié vivant. Et visiblement, elle a conservé ses souvenirs, contrairement à ce que Monsieur Wilson a tenté de lui dire. J'aimerais bien voir notre physique, mais... Oula. Oh la grosse tête. Ça, c'est l'ombre. Calme-toi. Il y a quelqu'un qui pleure là-bas dans l'univers? Ouais, vous inquiétez pas, je suis moche aussi. Ouais, je sais, l'encre s'attache. Bon, c'est quoi ça? On va pouvoir lire des lettres. Toute histoire commence par un mystère. Bien que les choses puissent être sombres au début, la vérité éclairera ton chemin. N'aie pas peur de qui tu es, Audrey. Crains seulement ce que tu peux devenir et bannis-le de ta vue. Signé, ton meilleur ami. PS, évite la choucroute la prochaine fois. Et ça a été stocké dans le menu pause. C'est quoi le menu pause? Oh! Oh, trop stylé! Regardez-moi ce glow-up, c'est de toute beauté, ma chérie! Ah, elle est tellement la classe, elle transpire la classe. Audrey, tu vas faire des miracles. Si Boris le loup avait été là... Mais c'est Monsieur Wilson. Relax, l'homme qui a tué le démon d'encre. Wilson connaît ton objectif. Ah, il faut que je fouille, d'accord. J'ai récupéré un truc. Ça, ça peut servir. Ça défonce des crânes, ça, non? Ah non, c'est pas... Moi, je suis toujours dans l'agressivité, moi. Je suis trop brutale comme fille. Faut juste réparer l'échelle. Je sais pas, je me suis imaginé un instant. Wilson et moi, dans un octogone. C'est ma compagnie que vous voulez, Audrey? C'est très joli par ici. Un peu glauque aussi. De retour dans le cauchemar. Vous voyez pas ce que je vois? Oui, mais vous entendez pas ce que j'entends? This is Wilson, your friend, your protector. For 211 days, you've lived without the ink demon haunting your steps. I banished him away, tore his body in two. In return, I asked just a little favor. Among you, there is a stranger, a young lady. Bring her to me. On va se calmer tout de suite, ok? Moi, je veux juste rentrer à ma maison. Vous voyez ce que je vois? Un placard. Vous savez quoi? Ça veut dire qu'on va nous poursuivre très ardemment et on va devoir se cacher. L'encre coule. L'obscurité a traversé ce studio. Il atteint les ombres qui rampent autour de vous. Quelque chose a faim de votre chair corrompue. C'est proche, si proche. Il s'efforce de vous attraper, de vous étouffer par derrière. Vous sentirez son souffle sur votre cou. C'est proche. C'est pas trop pour me rassurer. Je pense que je vais arrêter de faire de la lecture. J'ai pas besoin de lire des trucs. J'ai quelques frissons. Hello? Vous êtes vivant? Il a l'air un peu mort. Faut pas surgir du plafond comme ça. Oh là là! Oh, il en a vécu des choses. Ça commence à puer un tout petit chouïa du cul, si vous voulez mon avis. Et ça, ce sont des toilettes. Non. Occupé! Bon, très bien. Si jamais il y a un monstre, toilette pour dame. Toilette pour dame illico, on se pose pas la question. Alors bon, ça c'est hors service. Non mais je suis pas mécanicienne moi, vous êtes sympa les... Ah mais what? Ah oh, il est énervé. Oh, il a le seum. Occupé. Si jamais il y a un monstre, toilette pour dame illico, on se pose pas la question. C'est le grand
je viens de faire sur WAB. Ouais, je sais, moi aussi, ça me dégoûte. Franchement, les toilettes, meilleure cachette. Mais y a pas à faire peur comme ça aux gens, c'est scandaleux. Nourriture. Qu'est-ce que c'est? Vous manquez de santé? Prenez un snack. Ah, trop cool. Donc, quand t'es en mauvaise santé... Tape-toi un burger. C'est, ça a l'air délicieux. I wouldn't drink too much of that if I were you. It helps patch you up. Alice? But the aftertaste, it's not so good. Regardez comme elle est magnifique! Elle est formidable! J'adore ce perso! It looked like you needed some help. Don't touch me. What are you? What is this horrible place? Yeah, I remember my first day down here. I know, it's scary. But you're actually pretty lucky. The machine could have turned you into a searcher. You mean that thing that attacked me? No, that's a Piper. And he's part of a gang, so be careful. I don't understand any of this. I can't think. It hurts. You'll catch on pretty quickly, if you can stay alive. Lesson one. Searchers don't have legs, and they tend to swarm. Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Keep moving, and stay close to the shadows. Take my advice. Head to the upper levels. It's safer there. Can I come with you? You can't. I'm sorry. I have a wolf. He doesn't care for strangers. A wolf? Like I said, you'll catch on. Good luck. I hope we meet again. Oh, and one more thing. Above everything else, stay away from the ink demon. What's an ink demon? Well, you'll know him when you see him. He likes to smile, and he kills anything that moves. Wait! What's your name? They call me Alice. I'm not very fond of it. I'm Audrey. Well, Audrey, welcome to the studio. Mais elle est partie! Elle refuse de nous aider plus! Elle veut pas nous aider plus! Elle nous a donné 2-3 conseils pour la survie. C'est-à-dire que déjà notre survie était là, de base, vous voyez. Et maintenant elle est... Elle est là. Moi j'y crois pas un instant. Je pense qu'on va mourir. Hop! 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 Cool, cool, cool. On peut se cacher dans le trou? Oh oui! On peut se cacher dans le trou. No problem. No problem! There is no problem! I'm fine, thank you! Look at me, look at me! Bonjour, je m'appelle Dale Little. Et moi, mon travail, c'est de m'occuper des dessins animés. Mais le problème, c'est que depuis qu'on a changé de direction, à chaque fois que je reviens au travail, ils ont mis encore plus de leurs 4Z inutiles. La semaine dernière, ils ont construit des sortes de tours électriques près de l'allée des animations. Cette semaine, ils ont rajouté des codes de sécurité pour ouvrir les portes. Non mais franchement, on est où là? On peut même plus passer des portes sans avoir de code. Et franchement, comme j'en ai marre de tout retenir, bah j'ai noté que le code de la porte c'est 451, voilà. Oh là là, ça me fatigue. Qu'est-ce que c'est que ceci? Blocage de sécurité, 1, 2, 4, et puis... Ouais mais voilà, faut mettre des codes. J'ai noté que le code de la porte c'est 451, voilà. Oh, merci, petit enregistrement! Encore un endroit chic, rempli de mystères. Et de méchants? Y'a quelqu'un? Y'a personne? Oh, mais j'en peux plus, moi, d'écouter des cassettes, là! It seems that Archgate Studios... C'est Wilson, en plus! In all its misplaced admiration... was so eager to absorb the life's work of that crooked charlatan Joey Drew, they didn't fully realize what they had acquired. Call it fate that I just happened to be there on the loading dock that morning. When the delivery boys dropped one of the crates, it smashed open, and inside, there was something truly special. A mass of yellow steel and beautiful rivets. Some kind of machine. No one knew what it was. So the fools put it on display for all to see. But I could tell that this crude device held secrets. Secrets that could be mine.
Il voit tout. Ah oui, il a les yeux everywhere. Il a les yeux partout. Dans les tiroirs, dans les toilettes, partout. On va pas faire de vieux os ici. Moi, je vous propose de partir le plus rapidement possible. On peut briser des fenêtres. On peut essayer de s'en aller par là. Non, il y a des barreaux. Il avait tout prévu depuis le début. Le salopard. Oh! Tu me protèges, Bendy? Je peux me cacher derrière toi, Bendy? Je suis cachée. C'était quoi ça? Il avait deux têtes? Non mais vous savez, le pire de pas savoir ce qui nous arrive, c'est de pas savoir où on va. Non mais parce qu'évidemment qu'on va se diriger tranquillement vers là où le monstre est parti. Vous avez vu? Il est allé là. Et nous aussi, on y va. Qu'est-ce que c'est? Hein? Select upgrade. On a des aptitudes. Ça dégouline de puissance, ça, c'est génial. On peut augmenter notre santé ou notre stamina. Je préfère la stamina. Ouais, on va être amené à beaucoup courir. Donc ça, c'est une petite gourde avec un contenu un petit peu illégal. Avant, j'abattais mes ennemis avec deux mains. Et c'était fatigant. Et puis j'ai découvert la gourde op. La gourde op devient plus puissant. Une gorgée de ce terrible nectar décuple tes forces. Wow. Et maintenant, je peux détruire mes adversaires avec mon index. Compagnie. Aïe! Avant, j'étais petit et fragile. Et après la gourde op, je suis devenu grand et fort. La gourde op, toujours avec toi. J'ai un peu des raisons de flipper, non? Ça là, là, faut faire attention aux grilles. Ils surgissent des grilles. Ils surgissent des portes aussi. Ils surgissent des portes. Save your game anytime. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi? D'accord, je vais sauvegarder le jeu. J'aime pas ce que tu induis. Ça veut dire quoi? Que je vais faire exploser la margoulette? Mais c'est lui là qui m'a attaqué, wesh! Regarde-le avec ses petites dents là et ses petites pattes! Il cherche la bagarre! Il veut la bagarre! Vas-y, je te prends dans l'octogone. Je te monte en l'air plus loin que l'univers. Bra, bra, bra. Oh, ça va barder. Il peut être partout. Je suis sûr qu'il grimpe sur les plafonds. Je suis sûr qu'il est... Il est cette plante. Il est transformé en ce banc. C'est un banc. Il est ce bac à patates. Elles sont très plates, ces patates. Regardez-moi ces bonnes, belles pommes d'Iter. Ah, tu veux des pommes d'Iter? C'est les plus jolies pommes d'Iter que t'aies jamais vues. Ah, c'est un petit bar. Hein. Ils ont fait ça bien. Pour te détendre après le travail, tranquillou. Après la malbouffe, tu prends une petite bière. Je récupère des piles, je récupère des boîtes, je sais même pas ce que je récupère. Je suis tellement désespérée que moi je cherche juste de quoi me défendre. Il y a des mouches, il y a des assiettes, il y a des donuts, il y a des trucs qui brillent, c'est quoi ça? Je ne sais pas, vous allez récupérer des gènes batteries. Pff. Moi je vais récupérer la sortie. Locked again? This is getting old. Casser la serrure. Oh oui! Je vous ai dit, il faut détruire des trucs! Ça, c'est trop mon élément! La destruction! Alors, bonjour, moi je suis Nathan Arc. Voilà, donc je vais vous parler parce que j'ai vraiment la flemme de tout écrire à la main. Donc écoutez bien cet enregistrement audio. Aujourd'hui, je suis prêt pour quelque chose de différent dans ma carrière. J'ai construit des entreprises sidérurgiques à partir de rien. J'ai travaillé dans le secteur pétrolier et j'ai même exercé un mandat politique une fois. Ce Nathan Arc, qu'ils avaient l'habitude de dire, il a la touche magique. Mais moi, j'ai envie de m'amuser un peu, je crois. Quelque chose que les masses et moi pouvons apprécier. Alors mon fils a suggéré des films. Ouvre un studio, m'a-t-il dit. C'est vrai que j'aime un bon film comme tout le monde, mais la magie d'animation, c'est quelque chose de spécial. Mon vieil ami, Joe Drew, connaissait les sensations de donner vie au personnage, paix à son âme. Peut-être qu'avec un peu d'huile de coude et un petit peu d'investissement, je pourrais ressusciter le passé. Ça serait la faute de Nathan Arc si on se retrouve avec des problèmes. Problème, problème, problème. Audrey, it's Alice. Can you hear me? Alice? Yes, I can hear you. Where are you? Hello? Audrey? Oh, I'm so glad you're all right. Alice, I think you and I have very different definitions of all right. Where are you? Animation department entrance? But it's locked up tight. Good.
That means you're heading up. Look for anything you can use to break in. Maybe there's a gen pipe nearby. What was that? Le sol tremble. Audrey, find that gen pipe. Now. Find the gen pipe? Mais comment je fais ça, moi? Alice! Fais un effort, bordel! Où je trouve ça, bordel? Alice! Non, d'accord. Gen pipe. Oh, il y a un mini-mice qui attaque. Il est où? Je suis sûre il court par terre, à quatre pattes. Il est où? Il est pas trop flippant en fait, il est surprenant, j'ai été surprise. Franchement, il fait 30 cm de haut quoi. Il a le gabarit d'une fourmi et il cherche la merde. Petit petit. Il est où le petit? Au pied. Au pied! Une carte est requise. Avec toutes les conneries que je ramasse, j'ai pas trouvé de carte. Bon. C'est quoi ça? Oh non. Bah, c'est le gen pipe. Way too dark in there. Need to get the lights working first. Restaurer la puissance. Alice! Alice! T'es là? Tu m'entends? J'ai besoin d'aide. Ils ont cru que j'avais un diplôme en électricité, que j'allais devoir allumer des lumières, mais moi je sais pas faire. Comment ça marche? Alice! T'es dans la ventilation? Alice! T'es dans la douche? Alice! T'es dans la lumière? C'est toi Alice? Non, tu n'es pas Alice! Oh! Qu'est-ce qu'il a le microbe là? Il me lacère les mollets et il se barre. Mia, mia! Je m'en fous, j'ai mangé des chips. Et maintenant, je vais mieux. Open up. If I find you, I'm gonna rip your face off. Bordel de merde. Le meilleur moyen d'éviter les problèmes, c'est de ne pas être vu. Le meilleur moyen de pas finir en prison, c'est de pas être attrapé. Excellent conseil, je pense. Je peux passer derrière? Il construit des trucs. Vite. Oh, il a l'air occupé. Il ouvre des portes, alors on va en profiter un peu. Voilà, c'est bien. En douceur, on se faufile tel des petits rats. Missing a fuse. Let's see if I can find one. Trouver un fusible. Oh, 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 j'ai 20 millions de trucs dans mes poches. J'ai pas besoin de fusible. J'ai des piles. Oh non, c'est chiant. Faut que je sorte de là. Trouver des trucs relous. Non, mais écoutez-moi, les amis. Si jamais vous vous perdez en forêt quelque part ou ne vous séparez jamais, des choses suivantes. Prenez un sac. Mettez du papier cul dedans. Des fusibles, évidemment. Une clé à pipe géante. Prenez bien cette bouteille aussi. La gourdop, toujours avec toi. Bon alors, il faut tendre l'oreille parce que lui, quand il marche... Bah déjà, il parle très très fort. Parce qu'il est un petit peu... Il a un petit peu plusieurs dans sa tête. Et puis quand il marche, il fait des bruits de... Kitchen's closed. Passe par là, vite, 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 vite. Si on se cache là, il va pas nous voir. On peut le laisser passer. On est tout au fond. Tout au fond contre le mur de briques froides qui me caresse la nuque. Il fait quoi? Ah bah il fait ses courses. Il pèse ses légumes, tout ça, tout ça. Il achète des pommes de terre. En toute discrétion. Normalement, si je suis bien de pattern, il va juste aller chercher son sac de pommes de terre, là. Voilà. Il consomme de la friture, de la fritance, de la frite sous haute couture. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est passer par cette porte. Fermer cette porte? Non, je peux pas. C'est quoi? Well, happy birthday to me. C'est ça que je dois prendre. Oh, le fusible, ma gueule. Planté dans le gâteau, sans déconner. Joyeux anniversaire. C'est vraiment le chemin en sens inverse que j'ai pas kiffé. Je peux peut-être courir. Si je cours vite, il me rattrapera pas. Il est peut-être pas très rapide comme garçon. What is it? What is it? Je crois que j'entends tes... un petit peu trop proche de moi. Oh. Oh, dude. Oh, dude. Oh, dude. Oh, merci.
Oh le dieu de la myopie, je te bénis. Continue à myopiser les méchants. Il a 2 sur 10 à chaque œil, moi je vois que ça. Ce qu'il voit. What is it? Oui! Remets le fusible en place, c'est très bien! Que la lumière fuse de ce fusible! Lights are on, time to get that gen pipe. At least now I can defend myself. Une arme multi-usage. Une arme? Ouais, une arme. Une arme? Oui, une arme. Eh ben, je suis prête! Venez vous mesurer à moi! Et Olminus, t'es où? Viens manger les bons mollets! Bra, 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 bra! Ça va casser des bouches! La grosse bestiole! Où est-ce que t'es? Oh! Bra! Contre-toi! Bra! J'ai pas peur de toi! Oh, fais-moi le malin, Mr. Poulpe! Nya! Nya! Ah, il a explosé. Ça serait pratique dans la vie de tous les jours, avec les cadavres humains. Ça éviterait que je continue à creuser des trous dans mon jardin. Bien sûr qu'on va aller là. Ah, oh, mais c'est si peu propre. D'accord, il nous arrive quoi là? Je pense qu'il faut peut-être pas que je reste dans l'encre en fait. J'ai l'impression qu'Audrey est en train de se faire corrompre. Et plus je suis en contact avec l'encre, plus elle disparaît dans le côté obscur. Et elle devient... l'un des nôtres. On aimerait autant éviter. On va essayer de garder notre intégrité physique et mentale. Waouh! Allez, amène-toi mon poulet! Les pouvoirs de l'encre sont tiens et tu peux les commander. Utilise tes pouvoirs pour bannir les monstres inattentionnés. D'accord, on va faire ça. Mais c'est trop cool! Bendy? Eh oh! Salut! Alors comme ça, tu fais mimuse. Tu es sympa? Je m'approche, ok? Sois gentil, Bendy! Je suis pas là pour te faire du mal. Ok, même si j'ai ça. Si jamais tu fais un geste brusque, je te défonce. Est-ce que tu es le démon d'encre? Ou tu es un gentil petit Bendy? Bendy? Il a l'air d'avoir un peu peur. It's okay. I won't hurt you. I promise. Oh, il est un peu mignon quand même. See? I'm your friend. I won't hurt you. Oh non! Oh non! Oh, il me fait de la peine! I promise! Oh non, je suis désolée, Ben, qui revient! Je ne sens pas ma force! J'ai dû lui broyer les phalanges. Oh, il était un peu mims! J'ai du chagrin dans mon cœur! Je suis sûre qu'il est pas méchant! Je suis sûre qu'à la fin du jeu, ce sera nous la méchante. Je crois que c'est ce qui va se passer. On va devoir affronter Alice et Boris le loup, peut-être? Ne pas frapper. Is that you, Phil? I told you I'm not opening the door until you bring me my pictures. I drew them! I want them back!
Nouvel objectif, trouver les images. Ah, ça veut dire qu'on va l'aider? Bah, c'est-à-dire que... Ils ont essayé de me buter depuis tout à l'heure, alors j'ai quelques réticences à me montrer un peu sympathique, mais si vous voulez qu'on lui trouve des petites images, ça peut se trouver, des petites images. Bendy! Reviens là! N'aie pas peur! Je ne te ferai rien du tout. J'ai pas explosé bon nombre de tes camarades! Une porte qui s'ouvre au fin fond d'un couloir mystérieux. J'ai pas vu assez de films d'horreur apparemment. Une voix mystérieuse qui fait peur. Tiens, j'affûte ma lame, au cas où. Une ombre un peu flippante dans la lumière. Oh. Et nous, bah on y va. On va la suivre dans les canalisations. Être flippé ma vie, mais il a une putain de voix, le doubleur. Emmène-moi en enfer avec toi! Oh, il faut courir maintenant! Il faut fermer cette porte! Tape-lui la main, tape-lui la main! Mords-lui les phalanges! C'est parce que j'ai fait mal à bébé Bendy? Je suis désolée, je suis désolée. C'était pas voulu. Le démon d'encre est proche, son pouvoir est infini. D'accord, bah ça a le mérite d'être clair. Donc, quand on le voit, on fuit. J'ai collecté une image. Ah bah j'en connais un qui va être content. Ah, je sais pas ce qu'il va faire de ces petites images là, mais il va être fort joyeux. Ah, ça va être la joie tout en lui. Il collectionne les petites images, c'est trop mignon un peu. Oh, oh, c'est toi. Boris, avoir un visage amical ici, ça me fait du bien. Oh, je t'explique pas. Oh, l'angoisse dans laquelle je vis. Oh, tout le monde, il veut ma mort. Hein. Moi, j'étais juste en train de rentrer dans ma maison. Je devais rentrer pour nourrir le chat. Tiens, meurs, toi. Et je me retrouve dans la merde. Et pendant ce temps, Misty Gris, il a pas mangé. Quoi? Quoi? Le démon d'encre arrive. Cache-toi. J'ai pas de cachette. J'ai pas de cachette. J'ai pas de cachette. J'ai pas de cachette.